Salut à tous les parieurs et bienvenue sur ma chaîne Paris Expert Prono Foot. Paris Expert Prono Foot est une chaîne de conseils dans Paris Sportif spécialisée sur les 5 grands championnats européens. Je vais me présenter rapidement, moi c'est Bertrand, ça fait 9 ans que je pratique le Paris Sportif et je suis rentable depuis 2015. J'utilise pour cela une technique de stratégie gagnante de paris remboursés telles que le Home No Bet, le Away No Bet et le Draw No Bet et le Paris Chance Double. Pour pouvoir continuer à recevoir mes vidéos, je vous propose de liker et ainsi de vous abonner. Une bonne analyse des matchs et une connaissance approfondie du football sont les clés pour réussir sur le long terme et être rentable. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 pronostics pour le championnat italien de cette 29e journée de championnat. Le Milan AC reçoit la Sampdoria de Gênes. Ces matchs sont souvent serrés. Milan a gagné un seul de ses 5 derniers matchs à domicile, c'était contre Crotone. Je vois un match serré, pour moi, match nul, un but partout en home no bet. L'Atalanta reçoit l'Udinese. L'Atalanta reste sur 3 victoires et 1 nul à domicile, tandis que l'Udinese reste sur 3 bons matchs nuls à l'extérieur. Pour ce match, je vous conseille de miser sur une victoire de l'Atalanta en vous couvrant en cas de match nul. Mon pronostic, 2 buts à 0. Naples, 5e du championnat italien, reçoit Crotone, Lanterne Rouge. Naples n'a jamais perdu contre Crotone. Crotone accumule déjà 12 défaites sur 14 matchs à l'extérieur. Pour moi, victoire des Napolitains, 2 buts à 0. Sassuolo, équipe séduisante de ce début de championnat, accueille la Roma. Sassuolo accumule les nuls à domicile tandis que la AS Roma de son côté reste sur 3 défaites sur les 5 derniers déplacements. La AS Roma compte de nombreux blessés pour cette journée de championnat. Mon pronostic pour ce match, Sassuolo AS Roma, 2 buts partout. Pour ce duel entre la Lazio et la Spezia, les Romains affichent un bilan très positif à domicile avec 8 victoires, 2 nuls et seulement 3 défaites. La Spezia, quant à elle, reste sur 3 défaites à l'extérieur. Pour moi, victoire des Laziale, 2 buts à 1. Pour cet autre match, Cagliari accueille le Hellas Vérone. Les Sardes restent relégables et doivent sortir la tête de l'eau. Quant à elle, cette équipe de Vérone n'a plus grand chose à jouer. Je vois donc un match nul avec un léger avantage aux locaux. Match nul, 1 partout. Le Genoa reçoit la Fiorentina. Ces deux équipes réalisent une saison très moyenne. Ces deux équipes ne sont pas encore sorties du couperet de la relégation, c'est pourquoi je vois un match serré avec peu de buts. Mon pronostic pour ce match Genoa-Fiorentina, 0 à 0. Duel de bas de tableau également entre Benevento et Parme. Défaite interdite pour les deux équipes. Je vois donc également un match serré, mais avec beaucoup de buts. Mon pronostic Benevento-Parme, 2 buts à 2. Pour ce derby de Turin entre le Torino et la Juventus, je vois également un match très serré. Après sa décevante prestation contre Benevento à domicile, la Juventus de Turin doit réagir s'il ne veut pas voir l'Atalanta et le Napoli lui passer devant pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Quant à elle, le Torino, 17e du championnat italien, doit absolument prendre des points pour sortir de la zone de relégation. Je vois une courte victoire de la Juventus de Turin, 1-0. Le prochain match qui oppose Bologne contre l'Inter de Milan, qui compte déjà 6 points d'avance sur le Milan AC et un match en retard, reste sur des belles performances. Bologne reste sur une seule défaite à domicile sur les 5 derniers matchs. Je vois également un match serré avec peu de buts. Victoire des Milanais, 1-0. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner et de partager un maximum ma vidéo. Je vous dis à bientôt.